J'aurais pu appeler la chronique aujourd'hui « On a tous besoin d'un gogne ». On a tous besoin d'une cymbale dans notre vie une fois de temps en temps ou d'un son là, très percussif qui est enveloppant. Ici, ça nous fait vieillir un peu puisque c'est une des premières présentations, une des premières productions de la maison Spitfire Audio qui s'appelle « Scrapped Percussion » qui a été réalisée avec un percussionniste de l'équipe et qui consiste en une variété assez intéressante d'instruments de base, de percussion. Ici, ce que vous avez entendu en introduction, c'est le tam-tam que j'ai ici à l'écran, que j'ai ici, j'ai appelé via l'instrument contact. Donc, pour faire un tour de piste, c'est donc un instrument contact, c'est un instrument que j'ai ouvert maintenant avec Logic Pro, mais qui est AU Audio Unit, qui est VST, qui est AAX, donc qui est disponible à peu près partout sur toutes les plateformes. Vous voyez ici l'instrument d'accueil qui appartient à l'instrument, c'est-à-dire au lecteur contact. Ici, Spitfire Audio nous propose donc non seulement les infos au niveau de l'instrument, avec des informations et aussi parfois des propositions de la part des ingénieurs ou des concepteurs. Mais ici, le plus important, c'est qu'on a sous cette fenêtre un ensemble de microphones qui ont servi à la captation, à la réalisation de l'instrument. Et dessous, donc, vous avez les noms, le center, le tree, enfin, différents types de noms. Ici, le MI pour mix stéréo, G pour la salle, etc. Et vous avez donc en bas un paquet d'articulations. Celles qu'on vient d'entendre, s'appelle Dread Link Long. Et ici, les clés, c'est-à-dire les notes qui sont en rouge, sont donc les key switch qui nous permettent donc de négocier d'une articulation à l'autre. Si je reprends le tout premier, je vais aller sur la note Do pour avoir accès à celui-là, et j'actionne. Cool! Ils appellent celle-là « cord long », qui est faite avec quelque chose qui tourne sur la surface du tam-tam. Le suivant s'appelle « cord short ». Voilà. Le suivant, c'est celui qu'on avait tout à l'heure, mais ça vaut la peine, on va se faire plaisir, on va le réécouter. Ça, ce sont des éléments que les percussionnistes font souvent, avec soit un instrument, un morceau de bois ou un morceau de métal, ou même une. On utilise assez souvent une balle de. Voyons le jeu là, de ping-pong. On utilise cette balle pour frotter sur la surface qui crée, vous allez voir, différents effets. Et simplement, en y allant sur la surface, après ça, on laisse aller puis on laisse vibrer. Donc, Dreadly Long, ici on a Dreadly Short. Vous pouvez très bien entendre le son, la nature du son. Après ça, drumstick, donc avec un bâton de bois qui est tourné sur la surface, vous allez voir que celui-ci donne des effets un peu différents. Avec quelques notes qu'on voit ici à la droite en note bleue en dessous. Vous voyez celle que j'actionne et qui donne un son complètement différent. Avec un bâton de bois, drumstick. Sur la note fa, on va retrouver drumstick short, donc un peu la même idée mais rapide. Fa dièse, on trouve bowed short, donc avec un archet pour aller faire chanter le métal. Donc il est très court. Ici, j'imagine qu'on va l'avoir long, c'est ça? Comme une espèce de petite sirène qui flotte comme ça, avec une bonne base de résonance en dessous.
qui est fait donc avec un archet. Et on verra dans le cadre de certaines autres propositions, ici on a serrated short, qui peut être fait avec une petite pièce de métal qu'on gratte sur la surface du gong. Vraiment des belles sonorités, c'est très riche. Shimmer. Donc ça peut se faire avec des balais. Ici, Super Ball. Ben justement, je vous parlais tantôt de la balle de ping-pong qui peut servir à ça. Et voyez, quand le percussionniste se laisse aller, là, on a vraiment le son de la résonance du métal de la percussion. Échantillons qui ont été faits à différents endroits, on imagine sur la surface du tam-tam. Et le dernier dans cette catégorie, triangle short, court. On a effectivement une belle résonance. Dans le contexte de cet instrument virtuel qui s'appelle Spitfire Clarvis, qui est le nom du percussionniste qui a été responsable des échantillons et de la conception, si on veut, de cet instrument qui s'appelle Scrap Percussion. Nous avons donc le premier élément qui concerne les tam-tams, celui qu'on a vu ici, mais on s'est amusé aussi à aller chercher des éléments sonores un peu particuliers, ici des éléments qui viennent d'une bicyclette, donc les roues de bicyclette qui sont des instruments de métal. Voici ce que ça sonne. Voici comment ça... On imagine le bâton qui se promène sur les rails. C'est un instrument qui peut faire de bons effets. Toujours un peu la même chose. Ici, on a l'ensemble des micros qui ont servi à l'échantillon de l'instrument. Je vais en mettre un petit peu plus pour qu'on ait une écoute plus directe. On voit qu'effectivement, l'élément se rapproche. Les petits onglets que vous voyez ici sont donc les niveaux de potentiomètre qui fait que vous pouvez vraiment faire un mix à votre goût de l'écoute, carrément, l'écoute du son. Donc ici, on a quelques articulations qu'on voit ici, toujours avec les key switch que l'on retrouve ici. Sur le dos, on avait bow long, c'est-à-dire avec un archet sur une roue de bicyclette. C'est un peu subtil comme effet. Le second, on aurait beau swells. On se promènera plus jamais à bicyclette de la même façon. Strum and PN, piano et forte. Les fortés sont ici sur les notes Do, Ré, Mi. Et à l'octave en dessous, on a quelque chose d'un petit peu plus doux en termes d'articulation. Donc, strum and go. Donc ça, c'est en ce qui concerne la bicyclette, les éléments qui servent à la roue. Là, on pense au morceau de métal ou enfin l'archet sur la grande surface qui nous donne ces sons un peu mystérieux. Toujours, on revient dans l'univers des percussions de métal de cette famille. Donc, ici, on a cymbales, encore la même chose, l'ensemble des microphones. Je vais mettre celui-là, je ne sais pas, j'ai un petit peu plus présent. Voilà.
Des sons qu'on peut aisément, des fois, utiliser pour aller chercher une dynamique ou quelque chose. Donc, le second bowed short, donc avec l'archet. C'est fait avec une cymbale et un archet. Dans les propositions qui suivent, on a serrated short, comme une plus dynamique. Après ça, la suivante, on va retrouver stick long, donc avec toujours un bâton de bois sur la surface de la cymbale. Ce sont des éléments qu'on utilise quand même assez souvent en musique classique, en l'écriture traditionnelle, c'est-à-dire pour l'ensemble des percussionnistes. On lui demande souvent de jouer avec soit des bâtons de bois, pièces de métal, sur la surface des instruments en métal, que ce soit tom-tom, gong ou cymbale. Donc, dans cette première catégorie ou cette première présentation de l'instrument virtuel, vous avez accès à un ensemble d'échantillons qui sont faits à partir des instruments de métal. On a vu des morceaux, des pièces de bicyclette. Vous allez voir aussi dans ça, ici, on le voit un peu nommé. Alors, avec Music Stand, lutrin carrément de métal sur lequel on peut effectivement frapper, passer l'archet, des choses comme ça. Ils sont amusés aussi avec une tasse à café en polystyrène, là, qui est un petit matériau blanc. Là, après ça, on a saw blade various, donc des espèces de ce qu'on retrouve sur les ventilateurs, des choses comme ça. Une autre variété de sonorités. Et le premier qu'on a écouté, c'était ça, tam-tam various. Et donc, voici la version des échantillons. Par la suite, on peut retrouver un élément qui amène, disons, les échantillons dans un autre type de manipulation qui nous propose ici à la fois des éléments qui nous permettent de varier l'enveloppe, ADSR pour Attack, Decay, Sustain and Release. Et ici, un ensemble d'éléments que vous voyez ici, le FX. Ici, on a égalisateur 3, on a Lo-Fi pour Low-Pass, Filter, Low-Pass, on a ici, on a Chorus, Reverb, Delay, Distorsion. Donc, si je prends cet élément qui s'appelle Discord, la proposition qui a été faite par un des membres de l'ensemble, et là, vous voyez que l'échantillon est disponible à quand même une dimension beaucoup plus grande au niveau du clavier. Vraiment le tenir pour garder une ambiance. Et sur celle-là, ben, si vous y allez avec des éléments, simplement en cliquant sur les propositions qui sont là, on peut avoir déjà le phase qui est ici, j'enlève, chorus, low-pass filter, l'égalisation qu'on va trouver ici. Et dans cette section, c'est là qu'on va retrouver bon nombre de propositions et qui peuvent être accessibles soit en venant les chercher ici, dans les éléments, ou encore en les amenant carrément comme ça. Ici, dans la dernière proposition, j'ai cherché Glass to Entry Various. Donc, vous voyez ici que l'ensemble des microphones a été quand même un petit peu réduit pour l'expression. Mais on a Bowed Long. Voici l'archet long. Ça, c'est des sons de verre. Ça ressemble à quand on prend un peu d'eau sur le doigt et qu'on frotte sur le contour. Ça donne un peu cet effet, ce son. Donc, glass to entry, ce sont donc des glaces, des verres
C'est ça. En cristal pour favoriser cette résonance. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de cette présentation, les concepteurs se sont amusés à intégrer, à mettre quand même beaucoup de sons exploratoires, parce qu'il faut jamais il faut toujours se rappeler que les deux concepteurs de Spitfire Audio sont des compositeurs à la base, et que Spitfire Audio est né du besoin qu'avaient ces compositeurs de créer rapidement des éléments sonores pour avoir accès à une banque de sons intéressante qu'on peut reproduire au clavier, peu importe le registre, pour permettre de créer des thèmes, créer des sonorités adaptables à la musique de film. Donc, c'est un peu comme ça. Le Spitfire Audio est né d'un besoin. Alors, c'est souvent un peu le cas. Pour ce qui est de cette course, ou enfin de cette présentation assez rapide, ça vous a permis d'avoir une petite idée sur les sons en métaux qu'on peut utiliser dans le cadre d'une production comme ça d'un instrument virtuel. C'est un instrument qui date un peu, mais qu'on peut toujours retrouver sur le site de Spitfire Audio. C'est vraiment dans les premières réalisations de l'équipe. Et vous voyez à quel point, si vous comparez avec d'autres capsules que j'ai faites récemment qui concernent des instruments plus récents, vous voyez, écoute, l'évolution tout à fait spectaculaire à la fois de la conception et surtout de l'organisation d'un instrument virtuel dans l'esprit d'en faire un véritable instrument de musique. Puis je pense que c'est une signature qui appartient, en tout cas qui était quand même assez forte et qui est toujours assez forte chez Spitfire Audio, comment un instrument virtuel peut véritablement devenir un instrument. Soit c'est Denis Dion au microphone, donc il vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cette petite incursion dans l'univers du métal et de ses résonances. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez aimé, et j'espère recevoir de vos nouvelles une fois de temps en temps, soit en laissant des commentaires sous l'onglet où vous êtes actuellement dans la chaîne YouTube, ou encore en venant carrément sur mon site denisdion.ca. D'ici là, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite surtout une bonne inspiration en musique. Merci, à bientôt, au revoir.